Et là, c'est nice. Putain, regardez comme il est professionnel ce stream, c'est incroyable. Bien, on était dans la merde, il me semble, non? C'est ça qui se passait? Tous ces buffs là, ça me fait plaisir de voir ça. Je pouvais pas faire free. Ah, je l'avais amélioré quand même en plus 4. Ouais, mais il me semble que c'était de la merde, hein. Non? Tu vois, on va vite fait la voir, la free, mais à mon avis, ça va mal se mettre là. Avec le stuff qu'on a, non? C'est con parce qu'on était bien juste avant et je crois que j'ai ramassé un loot, genre pas longtemps avant elle, et du coup on est fucked. Et j'ai deux anneaux de chasseur donc. Tu vas bien? Je voulais juste voir l'inventaire. Est-ce que j'ai des trucs que je peux utiliser? Ouais, ok. Bon, ben on va voir. Hein. Parce que bon, là, en fait, je disais, si ça me saoule, je me réserve le droit de changer de run parce que on est dans les pires boss là maintenant. C'est parti, en fait. C'est ça que vous voyez pas, c'est que. Là, on est dans la pire partie du jeu, en fait. Pour les challenges, presque. À part le début qui s'est bien passé. Mais les DLC, c'est un cancer. Le pire, en fait, c'est le deuxième DLC. Le deuxième DLC est vraiment cancer en challenge à chaque fois. J'en suis dégoûté du deuxième DLC, vous savez. Si je peux être honnête, là, à cause des challenges. J'en peux plus du deuxième DLC à chaque fois. Là, ça commence bien, en tout cas. Elle est où, cette crétine, là? Oula, je vais prendre... Ouais. 180, hein. Feel good. Et ouais, j'ai quand même. Bon, là, c'est terriblement mal. J'ai quand même d'autres challenges en tête. C'est un bon fort là. Qu'on pourrait faire qui sont pas. Yes. Ah, j'ai quand même pris les dégâts. Oh my god, 280, mais c'est de la grosse merde. Oh. Ouais, bah oui, mais fous-moi. Quoi, ces dégâts de merde là qu'on a? Il va peut-être falloir que j'aille chercher une autre arme sinon. Parce que là, ça va pas être possible au niveau des dégâts de la, du backstab là. Je pense que ça va pas être possible du tout. Je pense pas que je puisse l'améliorer non plus. L'arme. Je dois pas avoir les matos. C'est bon, grave. A mon avis, c'est une arme qui demande autre chose que de la titanite normale. Si je l'ai mis qu'en plus 4. Ou alors non, j'ai dû la drop en plus 4 peut-être. Ah, peut-être que je l'ai juste drop en plus 4 l'arme. Et à ce moment-là, tout est fait. Tout est possible, pardon. Tout est possible si je l'ai pas en plus 4. Enfin, si je l'ai pas en plus 4, si j'ai drop en plus 4 et qu'on peut l'améliorer avec des fragments. Je commence bien le stream, j'arrive déjà plus à parler. Et j'ai le bouclier de riposte, mais qui me sert à rien. Mais enfin, on l'a. Dis-moi que je peux. Je la vois pas. C'est ça? Bon, bah, je peux l'améliorer en vrai. Est-ce que j'améliore cette merde? J'ai pas envie de tryhard d'aller chercher une autre arme ailleurs, honnêtement. J'ai juste envie qu'on en finisse, quoi. Avec Frid. On va pas faire beaucoup de dégâts, je pense, avec même amélioré. Salut Dramzorek, comment tu vas? Ça va, t'as tout, tranquille? Je me sors tout seul, merci. C'est celle-là, hein? Ouais. J'aurais bien aimé garder mes éclats et tout pour plus tard, mais bon. Je fais pas de dégâts avec. S'il me manque là de la thune, je fais pas de dégâts avec, c'est terrible. Ça va bien, Tatou. Merci de demander, j'espère que toi aussi. Extrêmement bien depuis que je sais que tu streams du DS. Nice. Je sais pas à quel moment je vais lancer Stropole, parce que je sais pas si on va réussir à finir la run ou pas. Si on n'y arrive pas, je sais pas quelle décision je vais prendre et quand, mais... La prochaine run qu'on pourrait faire, ce serait soit un SL1 sur Dark Souls 1, soit un no death run, genre pas mourir du tout de toute une run sur Dark Souls 3, je pense. C'est des runs qui m'intéressent et qui je pense sont faisables. Surtout le S1 sur Dark Souls 1, je pense c'est faisable pour nous qui l'avons fait sur Dark Souls 3 déjà. Genre plus simple même. Il faut voir. Et moi ça je suppose. On y retourne, on va voir. Alors mes dégâts terribles là, 186 plus 97. J'aurais jamais dû améliorer cette merde, non, j'aurais dû aller chercher autre chose. Mais bon, que veux-tu? Que veux-tu? It's my life! Comment tu vas, Lumes? Tranquille? Je voulais vous demander d'ailleurs, vous avez pas des refs d'écran pas cher? Il me faudra un écran qui puisse. Déjà qui ait des connexions HDMI. Ce serait cool. Et qui puisse tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Verticalement.
Parce que le problème des écrans low cost, là, entrée de gamme merdique, c'est que je peux pas faire ça souvent avec. Et moi, il me faudrait un écran que je puisse tourner en vertical ou en horizontal selon mes besoins, mais voilà. Et qui coûte pas 800 balles, tu vois, ou 400 balles même. Enfin, pas cher, j'entends vraiment pas cher. Hein. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Ah 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 ah! On tape quand même. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. En vrai, au niveau des dégâts. Ouais. Je peux peut-être même la boule, je peux peut-être même la boulive qu'elle a le moveset des lames de mercenaire, cette arme. Juste un très bon moveset en fait, hein, si vous en parlez. Wouah, ok, ok, c'est bon, je tape. C'est moi, j'appuie sur A pour faire la roulade, ça va? On a combien d'heures de Dark Souls là? Faut que j'appuie sur A. Non, je vais die! Je pourrais t'envoyer la rêve du mien si tu veux, c'est une dalle spéciale par contre, mais il peut se fioquer entièrement. Non, attends. Il était dans les 120€ à l'époque, il me semble. Putain, nice, il doit rien valoir maintenant. C'est vrai que les écrans, c'est chiant à chercher, c'est tellement référencé comme de la merde sur les sites en ligne, genre Amazon et tout là. Pourquoi j'ai fait ça? Non, franchement, nos dégâts sont bien là, c'est bon, j'avais peur. Non, pas comme. Relou RP. Est-ce que je peux la buff cette arme? Je peux peut-être la buff en plus. Et là, ce serait vraiment tragique pour elle. Aïe! Je crois que j'ai la sensei, circuscire quand tu vois. Du coup, ouais, je sais pas si ça vous hyperait une run soit S1 sur Dark Souls 1, soit une run où on ne meurt pas de tout le long sinon on recommence sur Dark Souls 3. Si la type sur Dark Souls 3 avec cette run, c'est que là où je pourrais mourir, je pense que ce serait loin. Genre sur les DLC. Parce que les boss sont mal. Et là, ce serait horrible. Ça va, quoi? Ça va très mal, c'est du bien de revoir. Ah merde, désolé pour toi. Viens donc chill ici. Ce stream feel good. Quand on boit du vin, on parle de dépression. Je te rassure, j'ai pas de vin à la portée. Pas beaucoup de dégâts ça en fait. Je sais pas si je ferais pas mieux de mettre deux coups normaux, non? Nice, ça j'aime bien ça. Je vais faire un stropol pour encaisser. Ouais, non, mais grave. Putain, c'est pour être un stropol que je sors, même si on continue sur cette run là, parce que j'arrive à battre Freed et tout. Ce que je peux faire là, je pense, honnêtement. Ce serait bien d'avoir ce stropol qui a commencé déjà, et puis comme ça on le lance pendant longtemps le stropol. C'est ce qu'on fera après comme run. Franchement, ça m'a fait plaisir de trouver des runs à faire. Ils sont pas trop tirés par les cheveux parce que c'est quand même mes jeux favoris, quoi. Donc, quand je peux faire un truc dessus, je suis content. Surtout Dark Souls 1, ça me fait plaisir. Encore une fois, je sais pas si vous avez remarqué, depuis l'annonce du remaster, j'ai tellement envie de me faire des runs de Dark Souls 1, comme on fait jamais. J'ai l'impression d'être ridicule, toi, à chaque fois que tu fais ça. Je sais pas pourquoi elle a fait comme s'il avait son temps là. Attends, what? Oh, fuck off! Ok, c'est bon. Ça m'a fait peur. Je pense que c'est une run, mais ce serait impossible, tu serais jamais bougé à caméra. Tu peux en vrai. Merde! Non! Oh, il fallait que tu me touches! Bah tu peux jamais bouger la caméra sur Dark Souls 3. Dans speedrun, c'est à peu près ce que tu fais. Mais la caméra se recadre en fait. Il y a une option qui se recadre. Ah, comme c'est fort là, ça va. Et c'est un peu le son parce que... Oh god. Non. Putain. Oh god. J'ai pas pris mon eau, je sais pas quoi faire. Je sais plus qui je suis si j'ai pas de litre d'eau à côté de moi. Salut Degramon. Ça va, j'espère, tranquille. Bienvenue. Est-ce que je me briserai pas à la fin de la première phase? Avantage, c'est un dessin. Oui, même deux mots, honnêtement.
faudrait que j'apprenne quel coup je peux... Enfin, sur quel coup je peux la stun ou pas, selon ce qu'elle fait. Bon là c'est un coup, j'aurais pu la stun juste que j'ai pas eu un bon timing. Il traite de jouer surtout avec les bastab hein. Bastab. Oh what? Calmez ma petite là. C'est plus rapide de pas faire de backstab en vrai là. À ce niveau là. Non. Oh le petit pas en avant là, je pensais pas que t'allais faire ça. Merde. Je suis dead. Et non. Oh le feu, on aime pas ça. Bon à la base je voulais juste prendre une braise hein. Ouais. Viens check pour l'écran, ça devait être 220 quand je l'ai payé en fait, du coup là il est à 180. J'avais mis des écrans de côté mais... Mais c'est dur de pas trouver des écrans en dessous de 200 balles qui passent en vertical. J'ai pas envie d'acheter un support d'écran. Parce que il faut des écrans aussi qui puissent aller sur les supports. Et les écrans pas chers, ça va pas sur les supports d'écran. En général, ou alors ça y va mais à la zup quoi. La run suicide, on en parle plus. Honnêtement, je pense pas que j'ai une assez grosse communauté pour faire une run comme ça. On pourrait la faire pendant le marathon, cela dit. Ça pourrait être cool. Ça deviendra un peu la run de la tristesse si je fais ça et qu'il y a personne qui vient. Tu me saoules. Ah merde! Mais tu m'as bait là! C'est le plus agressif, hein. Pas faire la technique du backstab de merde, parce que ça va bien les conneries. Et suf. Non, là j'aime pas ça. Non, ah ce pas en avant là, c'est incroyable. Non, ah cette barre de viso. Oh, ah, saleté. Ah non. Oh! Code! Après la même marque, il y a des gammes moins chères. À l'époque, j'avais pris un très bon avec une AIPS. Moi, je m'en fous de la dalle, honnêtement. J'ai des écrans pourraves depuis un certain nombre d'années, donc. Je m'en fous d'avoir un truc avec une milliseconde de temps de réponse, je sais pas quoi. Surtout qu'on s'entend bien que cet écran-là, il me servirait surtout à être sur le côté pour gérer les trucs du stream. Ah mais qu'est-ce que tu fais là? Oh! J'en ai marre, Fried. Marre ce boss. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Où est-ce qu'il va? Oh! Il me fait peur parce qu'il va me toucher au pif un moment ou un autre. Voilà! T'es pas censé faire du heal toi là-bas? Pas tout de suite. Oh mais fiole, c'est de la merde. Oh saleté, heureusement que je me suis attendu à ça. Saleté. Ville femme. Pas en train alors. Je vois rien mais admettons. Oh non, mais là c'est pute. Ah. Ok, c'est bon. Théo, nevermind femme. On va ces enjures là. Aïe. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il va arrêter. Je suis bloqué dans ses genoux. C'est bon. Oula, what? Qu'est-ce que je fais là? Ah. Manque de coordination de leur part assez incroyable, je dois dire.
Dégagez de ma vue là. On les sorte, gantelés de là. Et là je suis en fatrol, ça a été drôle. Dégagez de ma vue. Je veux plus les voir, je veux plus les voir. Je peux pas mettre mon bœuf parce qu'il parle. Maman. Bon, tant pis. Tac. Mon bœuf. Allez. Putain, j'ai un mur surveillé des vite, c'est vrai. Ouais, non, je me suis planté. Easy, j'ai déjà perdu des dégâts que je pouvais lui faire. Ce qui est bien, c'est que ça prend pas 20 minutes en tout cas d'arriver à cette phase avec elle. Donc j'ai bien envie de mourir là. Really? Oh. Salut Taiki, comment tu vas? J'ai l'impression de dire Taiki à chaque fois. J'ai longtemps qu'on a plus vu Taiki, putain. What has he become? Fuck, ça passait pas ça. Non, saleté. Et là normalement je peux la rush mais bon. Elle m'a pris un peu dans un spot méchant là. Toi aussi il me semble que je peux. Non je peux passer l'arme. Celle-là par contre. Allez. Timing un peu chaud. Voilà. Aïe aïe aïe. Oh nasty boy. Nope. Pas intéressé par ces shenanigans. Ouais donc encore une fois ce qui arrive si vous avez des refs pour des écrans qui peuvent être cool, je prends en dessous de 200 balles si possible. Je reste un pleb, faut se calmer. Je reste un sale pauvre, il faut se calmer. Bien vu. Can't touch this. Ouais, je suis un enfant des années 90, désolé. Merde, je regardais le chat. Style live. Non. Oh, ça c'est rude. Deux fioles. Quand elle fait ça, en général, tu pries et tu fais des roulades. Ça aussi. Ah. J'ai pas l'impression qu'il faut se calmer là. Sigbro, ça fait pas de la résistance au froid. Non, je sais pas. Faut que je prenne les dégâts, il faut que je les prenne. Thanks. Parce qu'elle aime bien te piéger dans un truc où tu te heal tout le temps en fait. Elle aime bien faire ça. Moi je dis non. Ça part en combien de temps le Sigbro dans ma bouche? C'est vite. Non, ça me fait du froid, non, Sigbro? Je sais pas. C'est elle qui m'a fait du froid. Je sais plus. Je croyais que ça faisait une résistance spéciale ou je sais pas quoi, le Sigbro. Fuck you! C'est la chute là. La chute du skill. Non, s'il te plaît! Oh, rude! Merci, le Sigbro, quoi. Je me sens mieux là. Ouais, si gros te permet de résister au froid, je sens bien qu'il y avait un truc comme ça. T'es dead, t'es tellement dead. Y'a pas moyen en fait que ça se passe. Ça se passe autrement. T'es dead! Sortez là de chez moi quoi! J'aurais pu l'attaquer mais bon je me chie dessus. J'ai pas envie de me retaper ça en fait, t'es dead. Ah! Oh. Joli petit pas de côté de ta part je veux dire. Oh non, c'est fait là, ça va. J'ai cru qu'elle lançait l'attaque là-haut, à ce distance-là, je pense que je l'aurais pris dans la bouche. Hein. Rip. Ah voilà. C'est donc Fried qui dégage. Je vais t'acheter plus 1, merci Fried, ça remplace quoi? C'est bon que j'avais un... Non, j'avais l'anneau du chasseur, je m'en fous d'en avoir deux de toute façon. GG l'ami, merci, ça fait plaisir. Sortez-la d'ici, quoi. Sortez-la de chez moi. Y a pas de dialogue à la fin ou je sais pas quoi.
Alors, on va aller sur le deuxième DLC, c'est là qu'on va commencer à avoir mal aux fesses et que je vais commencer à rage quit, je pense. Selon l'arme qu'on a contre le prince démoniaque là. Parce qu'il est relou. Et le juge aussi. Ah, le juge. Bon, par contre, j'ai 72 000 balles là. J'aurais pas faire ça avec 72 000 balles, il me semble. Hein. Sans fiole, sans rien. Non, j'aimerais pas. Surtout que là, il y a du loot, ouais. J'ai vu déjà. Tant tout le ramasser ici. Hop. Big boy là. Il est pas mort. Oh what? Lightbox là. Merci Miyazaki-san. My bad. Rip. Ah merde, c'est d'or. Je me rappelle pas de cette arme. Ah, 11 et 11, t'es sérieux? Je suis tellement proche de pouvoir l'utiliser, en plus ça avait l'air drôle. Oh oui, profondeur déjà, c'est quoi? C'est des sorts? Ouais, on a foot donc. Ah, dommage, j'aurais bien aimé utiliser. Contournement. Oh! Oh, en plus ça c'est trop bien. C'est OP as fuck. On va faire un truc en fait là, à ce niveau là. Ouais. J'envoie une ref d'écran par Twitter histoire de pas polluer le chat de lien, mais en gros c'est un écran pivotant. Par contre, je viens de check, c'est un écran avec un port USB pour SCO. What? Pivot est une option de recherche sur la DLC. Ah, ça c'est nice, merci de l'info. Ça, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour chercher les écrans sur la DLC puis les acheter sur Amazon, bien sûr. Je sais pas ce que je fais là. Clairement. Ah. Oh, mais please quoi. Tellement cher en fait. Elle a pas de décence cette vieille femme là. Elle vend à des prix exorbitants tout. Tout ce qu'elle peut en fait. Elle le vend trop cher. Elle a pas de honte. Du coup, je peux pas manier la faux, mais je sais pas. Je me dis que je vais trouver autre chose et que je vais avoir le seum d'avoir mis des niveaux là-dedans. Ouais, il faudra que je regarde pour les écrans. Il faudra que je regarde un peu plus, j'ai déjà regardé pas mal, mais bon. C'est tellement cher les écrans, ça me saoule de mettre autant de thunes dans un écran, putain. J'en ai à foutre, moi. Rien, en fait, je vous le dis. Comme les écrans 4K ou incurvés ou machin, j'en ai rien à faire. Je change rien pour faire des jeux, environ. Le loot! Le loot! Perdu un bras, tapé le port de la cathédrale. Ah bah voilà, écoute, enfin. Ça aussi je peux pas utiliser. Ça devient des stats de merde que ça, ça. Oui. Eh, c'est la zone où il y a pas de bruit. Ah, tranquille. Ouais. D'accord, j'ai baissé le son là, je peux encore le baisser si vous voulez. Vous savez quoi? Je vais encore baisser parce que sinon on va die en fait. Nice. Je m'en fous, en vrai, on est plus en plus 3, pourquoi pas. Je vais même me balader avec, au cas où je dois tuer quelque chose. Ce que j'ai trouvé, t'as 100 euros? Ah ouais? Il faut qu'il ait une connexion HDMI au moins une. Merci. Arbre de feu. Le noir. Ça fait peur là. Oh, je vais peut-être mourir à droite, mais vas-y, j'y vais quand même. Hashtag no fear. No fear stream. Ouais, les sorts, je suppose ça a du sens.
Ça va être compliqué là de sortir de là, je pense. Bah 100 euros, ça va, hein, c'est dans mon budget. Hein. Oh! Nice! Ça, je sais pas comment y aller sur ce balcon à la con là. C'est vraiment pas comment y aller là-dessus. Ça va, les dégâts sont plus connaître sur cette merde. 500 euros sur LDLC, il a pas le HDMI. Ouais, non, il me faut quand même du HDMI. Ah, nice! Eh ben, je suis toujours en fast roll. Là, c'est un bon mix là. De très bonnes armures. Y'a pas un loot ici? Nope. Nope. Il va se transformer là. Ah non, mais sérieux, on peut pas avoir les petits plaisirs. C'est où déjà l'endroit où on se drop pour avoir un... Genre là. Je sais bien plus par où on y va. Ah, il fallait pas genre que je passe par ailleurs en haut là, si. Fuck. Wow. Non mais je vais voir, au pire je vais investir dans un vrai écran. Je m'en achète un très bon d'écran, ou très bon, juste correct, tu vois. Et je garde les deux autres que j'ai déjà, mais bon. Ça m'arrange pas parce que si je prends l'écran en fait qui peut se mettre en vertical avec, avec pivot pour mettre le chat et tout dessus. Pour mettre des fenêtres pour le stream, donc bon, c'est ça le problème, vous voyez. C'est que j'ai pas envie de payer cher un écran dont je vais juste me servir pour mettre des informations pour le stream ou quoi. Parce que là en fait... À chaque fois que je change, genre en gros là si je veux accéder à l'écran du stream, je peux pas le faire sans changer la source sur mon deuxième écran, genre. C'est chiant. C'est chiant. Pareil pour la PS4, j'ai pas un écran, j'ai pas assez d'écran quoi. Genre souvent j'ai la PS4 plus le stream sur le même écran, donc ça me fait switch aussi. Un petit peu chiant, c'est que des trucs d'optimisation hein, mais bon c'est vraiment lourd à la longue. Surtout que ça prend du temps, des fois ça bug et tout, donc bon. Ça fait bugger les affichages. Des fois vous voyez des bugs d'affichage, ça vient de là. Tu veux quoi comme taille, je m'en fous. Honnêtement, 24 pouces ça me va. 24 pouces je pense que c'est cool. J'ai vu du loot de partout, c'est le problème. Est-ce qu'il y a du loot dans la cabane là? Derrière la cabane quelque part? Bah ouais. Tu peux arrêter d'être un sauvage? Le pine par contre c'est pas nécessaire. Planté en laiton, nice. Non. Nice try, bolos. Nice, c'est quoi ce casque? Il est trop beau. Vous pouvez vous extasier devant le saut, ouais, c'est possible. Fait peur lui. Le pauvre quoi, horrible, on dirait un truc dégueulasse d'alien là. Allions! J'aime bien ce casque là. C'est le truc de... Ouais, ok je vois. Y a-t-il, ouais. Il est cool. On dirait un cafard quoi. Enfin, comment ça s'appelle déjà? C'est pas le mot exact, mais cafard ça ira je suppose. Cette armure aussi est magnifique, particulièrement dans le 3 d'ailleurs, celle-là elle est jolie. Hein. Dans le premier aussi, mais bon là avec le petit graphisme plus joli quoi, plus agréable. Je check un peu les Liyama, mais en vrai ils sont super chers. Premier 24 pouces et à 170 euros. Ah non mais c'est cher les écrans. Mais après 170 balles, tu vois, je suis prêt à les mettre. Mais ça me fait chier quoi, tu vois, c'est pour ça que je continue de chercher en fait. C'est souvent ça, merde. C'est souvent ça l'histoire de mon setup, c'est que je peux en soi. Putain, qu'est-ce que je fais là? Dans quelle horde je loot? Parce qu'il faut tout meilleur que je les ramasse tous. Ça, je prendrai pas le feu avant. Je vais prendre le feu avant. Hmm.
Disons que j'aimerais bien pas faire un prêt, quoi, pour compléter le setup, surtout qu'il va y avoir le changement du PC qui va arriver. Hein. Ça fait depuis 2 ans que je me dis le PC, je vais bientôt devoir le changer, au final il tient. Mais les jeux, je vois, hein, les jeux qu'on fait, maintenant quand ils sont mal optimisés, j'ai du mal à les faire tourner. Alors qu'avant c'était pas un problème, les jeux indés, souvent c'est mal optimisé. Et vu que j'avais un très bon PC, ça passait, quoi. Mais là je vois maintenant que ça passe plus, en fait. C'est un petit peu chiant. C'est par où déjà qu'on y va, là. Voilà. Jules, putain, tout ce qu'on loot là, c'est incroyable. En équipement. Odu, merci pour le follow. Content que t'apprécies, mate, ça fait plaisir. It's the end of the world. Bon, mettons-nous d'accord, je ferai plus ça. Mais à chaque fois que je dis ça, je recommence à chanter, donc... Y'a pas de fin à la souffrance que le joueur peut endurer sur cette chaîne. Oh, les dégâts de chute, là. Ouais, si vous voulez. Azwinoui. Ça. Passer par là. Ça ira bien, je pense. Attends, quoique. Il y a ce loot là-bas sur la baraque, mais bon. Il y a celui-là aussi, donc dans tous les cas. Ça va être chiant de tout ramasser là. Fragment de mort vivant, par contre, c'est worse. Celui-là, vous voyez là-haut. Je peux revenir en arrière là? Pour aller chercher. Non. Stop! Ah! Normandie! Oh! Oh non! Je peux pas le. Oh merde. Je peux pas le porter, ça? Ah oui, 50. Bien sûr, c'est un de ces marteaux-là qui pèse 50. Braise, gracier. Nope. Pantalon d'évangéliste, peut-être, ça fera le trick. Ok, dalle. J'ai eu de la luck. Stop. Attends, c'est moi ou je prends que dalle de dégâts grâce à mon bouclier génial? Ouais, quand même, je prends un petit peu, mais... Surtout qu'il me loupait, en fait. Aïe, 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 là, il me loupe pas. Robe d'évangéliste, bien, encore plus lourd, non? Ce Fashion Souls par contre est on point, comme on dit. Merci Dramzorek pour le follow. Maintenant il y a du loot. Ça manque un peu là, notre grâce plus 3. On trouve ici là. Oh baby. Oh mais on l'a déjà eu. On l'a déjà eu malheureusement cet item, mais bon. Oh bonjour. Yo Dramzorek. Pareil, content que t'apprécies. Ah ouais, juste un follow, ça me fait tellement plaisir. Sur Twitch, c'est. Oh merde, tout ce que j'ai à loot encore là. Oh putain. Bon, vas-y, on va commencer par là. Nope. Ah ouais, je vais avoir une bonne défense hein, contre la magie avec le petit évangéliste. Je crois. Hein. Ouais. Yes. Tombe pas. Oui. Bien content. Je suis peut-être fucked. Non, merci mon dieu, il a arrêté. Ah, ça c'est bien, ouais. Je peux pas utiliser parce que voilà. J'en plaît, mais c'est bien. Tu fais assis sur le loot. Racine de pimpal, j'en ai un petit peu plein les fouilles là. Waouh. Yonoïde divine. Ça fait plaisir de voir du stream DSFR qualité, c'est gentil, ça fait plaisir d'entendre ça. Il n'y a pas beaucoup de chaînes FR sur DS, à chaque fois je vous demande un peu. Si vous en connaissez d'autres. Je sais qu'il y a Raven qui en fait aussi, il fait des challenges. Là je suis. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie d'utiliser ça. Bon, je m'en fous, je l'ai. Lise, écoute. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais mourir à force, hein, mais. Autant clear la zone, pas le choix de toute façon. Attends, je suis en face pole là. Ouh, worse. Si je pouvais garder les pets solaires à la limite, elle demande combien en... Ah, elle demande 16 en intel. Si je pouvais pas avoir les pets solaires à la limite à la fin. Meurs pas. Ok, c'est bon. Temps de Mira. Je cours, hein. Autant le torcher cette zone. Putain, mais fais chier que ce soit sorti dans cet ordre les armes là, tu vois. Pourtant, l'épée droite de solaire, j'étais un peu hypé quand on la drop, mais. Nice.
c'est nice as fuck. Faut que je retourne sur ma racine, non? Il y a l'ange et tout, elle est tuée, mais bon là... Oh. Là, bon... Ah mais, oh. Qui a fait quoi là? Ah mais c'est lui qui me tire avec ses sarbacanes là. Tu peux peut-être mourir de du poison là, non? Je suis en braise, mais j'en ai 29 des braises, donc je m'en fous un peu de crever de... maintenant. Surtout l'ange à mon avis qui va pas me laisser vivre. Même si... Ah ouais. Ouais bon. On va try, mais... Alors, il faut que je passe... sur une autre racine, c'est ça, ou... Par là? Dur de choisir les prochaines runs dans le sondage. Bah c'est deux runs qui me donnent bien envie, ouais. Shit. J'ai oublié qu'il était là. Je vais par là? Je me souviens plus. Ouais, je vais par là. Wow. Ok, ça fait 1000 ans qu'on est plus venu ici sur un challenge. Ah mais il est là, big boy. Tu peux pas me toucher. Vraiment que vous regardez le dernier JDG si vous l'avez pas vu. Ah ouais? C'est sur quoi? Y'a pas d'autre loot ici? Bon. Bon. Bon bon bon. Lui il va me sauter dessus, je pense que ça va être lui qui va me tuer. Là j'ai très peu de chance de... d'arriver jusqu'au prochain feu, non? Est-ce que c'est le fleuri qu'il faut? Non c'est bon. Raise. Yeah, ça me va. Allez, on y croit. Putain! T'es sûr que ça allait être cette attaque qui allait me fumer à chaque fois, cette attaque a été terrible. Donc là, je l'ai pas vu venir. Il est sur Harry Potter. Le jeu PS1 là. Avec les fameux visages incroyables. Les modélisations du jeu Harry Potter sur PS1, je vous recommande d'aller voir à quoi ça ressemble parce que c'est une aventure. J'ai pas vu de loot là-bas. Est-ce qu'il y avait du loot encore après la racine là? C'est loin. Sinon, je pourrais... Merde, j'ai débranché la manette comme un bolos. Ok. Qu'est-ce que j'ai pas loot? Qu'est-ce que je n'ai point loot? Il faudrait mieux contre les démons, en vrai. Là, il y a du loot. Mais je vais avoir un peu de mal. Je vais avoir un peu de mal... Là on l'a torché. Irrit-il peut-être? Ou est-ce que peut y avoir du loot? Un Orlando. Nope. Ah, un or... Ah. Peut y en avoir. Un petit peu dans la... À côté du serment là, mais... Le lac cendré. Ah, je sais où on peut... Vas-y, ça fait l'occasion d'aller là, j'ai envie de dire, mais... Antichope de l'ancien roi, c'est... Il me semble. On va aller voir là. Tu as pas fait le second boss de HS of Ariandel, by the way. Ah oui, c'est vrai. Bah, de toute manière, il me faut une arme. Comment tu vas, Fury? J'étais bien, mais je suis pas trouvé super, c'est la vidéo. Je peux pas vous dire, ça fait tellement longtemps, putain, que j'ai pas regardé JDG. Je me souviens, je regardais ça il y a genre... Bah, littéralement 8 ans, je crois. Je me souviens, c'était il y a super longtemps. Qu'est-ce que j'ai loot? Qu'est-ce que j'ai pas loot ici? Je sais très bien qu'il y a une grosse partie que j'ai pas loot. Je me souviens plus s'il y a des murs illusoires et où. C'est pareil, ça c'est une zone, bordel. Il faut bien ce challenge pour y revenir, quoi. Et là, c'est la partie intéressante du run. Où je cherche des armes. C'est con parce qu'en plus, on a plein d'armes top qui nous sont passées entre les mains, là. Et on est tombé sur celle que je peux pas utiliser, qui pourtant est top en plus. Il va venir me buter avant que j'ai le temps, non? Oh, nice! Allez, allez. Maman. J'ai des gens qui courent partout, là. Il y a un endroit que j'ai pas vu, là, non? Un passage? Oui. Merde. Où est-ce que je suis, là? Exactement.
Ah stop hein. Il y a le feu, non? Il est pas là? Si il est là. Alors, faut que je descende. Je crois que c'est là que je peux aller. Qu'est-ce qu'il y a de beau vers là? Je dois rejoindre. Calmons-nous, messieurs. Ou mesdames. Qu'importe. Ok, 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 vous êtes rude. Welcome to la zone du fanservice. Ah, merci. Pas un chevalier là? Qui va les tuer? Si. Casse nordique. Je vois pas. Il faut. Ah non, pas moi! Ah, j'en ai genre 10 des détritus, sérieux, dans mon inventaire. Run détritus. Oh là, c'est pas. Pas un bon spot, mais ça va, il les fracasse. Yes! GG! Et en plus, il est low en PV là, non? Ouf. Deux secondes. Ça irait pas plus vite de juste le tuer au bouclier que faire ça, tu vois. Oui, je confirme. Salut Ned, quand tu vois. En plus, ça me donne des. De la défense, quoi. Ah non! RIP. S'il vous plaît. Ah! Plus 7 en plus déjà? Bah écoute, ça me va, hein, je pense. Je pense que ça me va. On aura encore des trucs à explorer ici au cas où. J'ai les cheveux. Je crois que je pourrais pas l'améliorer plus. Il était buff en quoi? Est-ce qu'il était pas en poison ou je sais pas quoi? En carcasse, je crois, non? Toujours une carcasse plus 7. Et moi en carcasse. ...99, je me rappelle plus comment ça scale déjà, les trucs de carcasse. Si quelqu'un se rappelle, why not? J'ai plus le souvenir de comment ça se... Ça marche, exactement. L'arme pété se décaisse, hein, c'est ça. J'ai acheté l'âme là? Non, la braise, pardon. La carcasse, c'est pas selon les ennemis, la carcasse ça se scale en chance. Ouais, bon, ok. On va pas avoir beaucoup de scaling. Hein. Et j'ai pas de. J'ai pas assez d'éclat, il me semble, de toute façon. Donc je sais même pas pourquoi je suis. 5. On va voir les dégâts qu'on fait déjà. 180 puis 103, c'est sympa. Merde, c'est des sacs de PV, les. Le Demon. Lot Polos, là, on va l'appeler juste. C'est un sac de PV ce mob. Ah, c'est lui qui me dégoûte du DLC en fait, avec le juge. En challenge, il me dégoûte à chaque fois quoi. Capharnaüm des confins. Vas-y, first try ou rien. Donc rien. Peut-être j'ai utilisé la braise avant, on va voir. J'ai une bonne défense maintenant du coup. Merde. Too late, je apologize. Alors, à chaque fois, je me rappelle pas, mais bon, on s'en fout, je vais tuer celui à gauche avant, je crois. Non? Il semblait que c'était lui. Je peux vivre avec ça. C'est mieux que ce qu'on avait sur je sais plus quel run, non? C'est le SL1? Non, on est peut-être mieux sur le SL1. Je sais plus. Non, non, je sais pas. Je sais pas, arrêtez! Je joue avec mon cerveau. Non, j'ai été greedy as fuck! Oh non, pas ça, pas maintenant! Putain! Oh là 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 là! Faudrait qu'il y en a un qui se calme là. Ah putain, j'avais des. Des trucs qui auraient été fort utiles! Genre de la cendre d'os. Et des fragments, au moins un fragment d'astuce. Rien, c'est bon. Merci pour ce début de live, j'y vais. Bonne crémaillère, Sneaker, décote-toi. Un run sur DS3, je suis curieux de voir ça. Autant ça va être trop cher, non, si dans le sang de Dieu, à moins d'erreurs. On verra. Je pense que ça se fait honnêtement, faisons attention.
Maintenant, le but c'est pas non plus que je passe ma vie à faire gaffe et tout. Donc on verra comment ça tourne le run, mais. Je pense que ça se fait, hein, easy. On va torcher le jeu. Si je fais très attention, il y a très peu de boss, je pense, qui peuvent être dangereux au niveau des morts. Surtout dans les DLC, quoi. C'est ce qui me fait peur dans un autre sens, parce que si je meurs au DLC, j'ai le seum. Hein. Loin, c'est pas comme dans un Ultron où à peu près tout le jeu est un danger. Là, c'est plutôt vers la fin. Stomp. Oh, je touchais les deux en un coup. Nice. Rare, rare pépé, right there. Aïe. On se calmer la méduse. Ouais, non. Non. Ça ira, merci. Ah, j'avais oublié cette dernière attaque terrible. Je crois qu'il y en a un qui s'incline là. Voilà. Putain, je sais pas. Je pensais plutôt aux morts toutes nazes où tu tombes. Ah ouais, non, mais ça par contre c'est horrible, les morts où je tombe là. Leur d'inattention et tout. Oh god. Est-ce que je fais la grid? Non. Putain, j'ai pas de fion. Tout seul, ça fait moins le. Fais-moi le mariole là! Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh les tables. T'es énervé. Salut, salut Motu, comment tu vas? Bienvenue, mate. C'est un bon samedi. Putain, mais là je suis en PLS un peu, non? Je sais pas ce qu'il aime pas, lui. Mais c'est ça. Ok, gonna be good. Gonna be good.jpeg. Ah god. Ouais, ma faute, j'ai plus de stamina. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. N'ai eu d'onde. C'est easy, nice. Donc c'est bon, c'est rappelé du bon à tuer en premier. C'était cette attaque là, putain. Il est où, boy? J'avoue que ça fait un petit peu délire de Monster Hunter là. Maintenant. Ah non, mais what? Je me suis fait toucher par. Maman! Avec des attaques de merde là. Stop! Des attaques de pleb, genre ça, ouais. Je peux avoir le. On est d'accord là, ouais, c'est la vraie attaque, c'est pas le. C'est le catch là. Hein. Parce que je dis concrètement à ce niveau-là. Oh, je croyais que j'avais fucked up encore. Ouais, si je pouvais avoir. Merci. Feels good. No you don't. Enfin, fais remarque, ça me plaît quand tu fais ça. J'aime bien. Ça, c'est worse.
Pas du tout. Si fait. Putain, j'ai appuyé une seconde trop... Enfin, une seconde, c'est beaucoup quand même. Peut-être mort. Nevermind. Oh mais... Mais j'aimerais que tu crèves en fait. Ça va être chaud. Ça va être clairement chaud. Ouais. Keep on dreaming. Don't stop believing. Oh non, bullshit. Mes frames. My frames. Don't stop believing. Oh, ça me fait plus seum ça. Shit, qu'est-ce qu'il fait? Nice. Nice, ça là. Nani. Dégage! Sortez-le! Sortez-le! Que je ne le vois plus! Ôtez-le de ma vue! Salut Copolarbo, comment tu vas? Tranquille, j'espère? Ah! Feels good de les avoir passés direct parce qu'ils sont tellement chiants à refaire. Ça aurait le coup de mettre des points en chance sur ce genre de run vu que ça augmente le taux de loot. C'est vrai. En fait, ça aurait le coup de mettre des points dans plein de choses sauf qu'au début du jeu, t'es pris un petit peu à devoir mettre des points dans la force et la dex parce que sinon tu peux rien. Et après, il faut quand même. Enfin, moi j'aime bien quand même être safe et mettre de la vita et un petit peu d'endurance. Donc c'est vrai que ça me laisse plus beaucoup de points à mettre en intel et en luck. Et en foi aussi. J'arrive et ça easy win. Ah bah ça. Toujours. All day, mon gars. Toujours des easy win. Don't stop believing. Il est quand même assez classe ce boss, ça change de MH. Ah, le boss qu'on a fait hier sur MH était... Moi je les aime bien le design des mobs dans... Dans MH honnêtement. Je trouve vraiment cool. Mets-toi au feu parce que là j'avais sauté à côté mais... Je sais pas combien de PVG j'aurais dû regarder parce que putain... Le poil de QRP. Oula, c'est pas la consotte, dis donc. C'est un peu triste de pas avoir l'armure des ruines honnêtement. Mais bon. Ouais, je pense que ça fera un bon placebo, je sais pas. Oh shit, stop. Ah, je pense pas qu'il pouvait me toucher d'ici. T'es sûr, j'aurais gardé le bouclier. Boss de fin, on dirait un Pokémon. Moi, j'ai trouvé cool, c'est juste qu'après, c'est pas un... combat m'a un peu gonflé parce qu'il durait 40 ans, mais bon. Genre, j'aimais bien le design, moi, perso. J'aimais bien le design. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça. Donc, bon, difficile d'argumenter là-dessus. Il va falloir vraiment que je remonte les escaliers sans mourir. Don't be good. Oh non, je me fais envahir là. Pas sérieux. Ah non, c'est juste eux qui font ce bruit là en arrivant. Je me rappelle plus de ça. Oh là 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 là. J'ai eu peur. Je me suis dit, je suis offline quand même, ça me semble un peu bizarre. Ouais, c'était le boss de fin. Mais no spoil. Chut. No spoil. Pour le percentile qui joue à Monster Hunter pour l'histoire. Alors. J'ai de la thune. Je sais pas si je la mets dans des niveaux ou si j'achète des matériaux avec. Faire ça déjà. Ah
Ah bah c'est sûr que c'est pas la même direction artistique hein, Melka. Cela dit, t'as pas vu, il y avait un mob, c'était un dragon zombie qui était vraiment cool. Tu aurais pu être dans un Dark Souls par exemple. Salut Azulé, comment tu vas? Très bien. Freddy, be careful. J'ai pris ma décision, écoutez. Aussi terrible soit-elle pour notre futur. J'ai pas envie de faire le juge parce que c'est un trash qui me donne envie de me tuer. Ne cesse pas d'y croire. Y'a un avion qui passe dans ma rue. Dommage pour sa musique. Comment ça? Quelle musique? Oh merde, le loot l'a ramassé. Lol.xd. Ça c'est un petit piège hein, de la part des développeurs. J'ai eu le temps de direct courir au loot. Ouais, le Val Azak peut-être, ou machin Azak. Melka. Qui était cool. Direct prendre le loot, même si ça implique que je meurs, de toute façon. XD, même des l'autre. Rien à perdre. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu! Des paquets de pain brûlés, oh! Paquets de pitch! Worse! Arrêtez de vous acharner sur un cadavre, s'il vous plaît. Sur une carcasse. Bearer of the curse! Parti. Il y a le loot aussi là-haut, je pense que je vais un peu douiller. T'en full douiller en fait. Je die. Worth, âme d'un démon. Sérieux là, je survie à ça? Non, y'a le feu. Pourquoi y'a le feu? Ah oui, il caste ça quand t'es trop proche. M'en fous! The Fall 2 passe encore un trap. On l'a fait The Fall 2 hier. On va voir à quelle heure on le fait. J'aime bien le faire en dernier The Fall 2 parce qu'après ça te met dans une dynamique où. Enfin, de mon côté personnellement, ça met dans une dynamique où je suis beaucoup plus. Assagi, beaucoup plus calme et c'est dur après de faire autre chose et de se redémarrer quoi. Dead. Dead boy! Allez. J'aimerais bien garder mon fauchon, c'est possible. Ça, je sais qu'en même temps. C'est sûr, j'aimerais bien le garder, quoi. Bon, soit tombe dans le vide, soit reste, bouge pas. Un des deux. Fais ton choix, là. Ah, mais tu peux pas? Dague en aigle marine. Je sais même pas ce que c'est, honnêtement. Lame de cristal permet de libérer. Ouais, ouais, d'accord. On fait go. Chevalier éclaireur, tiens. Feels good. Oh putain, le loot là. Ça me va avec le son de l'arbre. Ah, je vais die, mais je veux le loot. Ah. Oh, nice. Sweet. Ça, ça me plaît. C'est un peu à double tranchant comme run car tu peux te retrouver à faire Gaël avec l'épée brisée. Voilà. Et donc pas le faire en gros. C'est la dague sabre laser. Merde, j'ai pas fait le weapon art. Je pensais pas que j'allais drop un truc juste après en même temps.
C'est sweet ça. C'est vraiment bien. Ah, elle se buff pas. Lumière sacrée. Je pourrais limite aller voir l'autre dans le DLC là. T'as pas combien? Assez forte à mon goût. On va voir, mais. Peut-être aller taper le boss du DLC là. Ah putain, mais j'ai croisé du loot en y allant. Chier. Parce que là, le loot, il y en a trop jusqu'au prochain boss. Hein. Bon, je vais aller voir. Je vais aller le voir. Il faut bien que j'y aille. Il faut bien que j'y aille, de toute façon, le tuer lui en bas, un moment ou un autre. Ce trash mob. Un petit midir. Bah, jusqu'à ce que j'arrive à midir aussi, ça peut changer l'arme. Donc là, il y a moins de loot quand même jusqu'au champion. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que j'ai fait Oceros? On a fait Oceros? Oui, on a fait Gwyndir aussi. Pour l'instant, c'est le plus gros challenge d'ailleurs. Si tu regardes juste comme ça là, si. Voilà. Alors quand tu vois pas la robe et tout, tu dis putain c'est. Et là. Là c'est chum. Mais sinon tu peux pas savoir quoi. Tu peux pas savoir que je suis en robe de chambre. Je crois que je suis un vrai chevalier si tu regardes juste le haut. C'est midi à 14h. Les gens qui ont pas de honte en fait sur ce stream. Il y en a qui ont vraiment pas de honte sur ce stream hein. Rick01Killer, merci pour le follow, ça fait plaisir. Son... Oh, 716 et il est encore en vie. C'est vrai que je suis pas mort, parce que j'aurais un peu eu la honte. Devant des milliards de personnes. 47 millions de personnes, tout... exactement. Un loot qui court. Ah, ça me donne quand même, tiens. Alors que je suis même pas touché. Coucouli. Ah, bien visé. Non, il m'a pas eu en l'air, heureusement. Bon, alors j'ai pas tout ramassé ici, mais j'ai ramassé ce que j'ai vu. Je sais qu'il y a du loot encore là-dedans. Dans les arboles des Navidad, mais... Je vais prendre le fuego. Mon but, c'est de ne pas voir de loot. Bon, je me force pas non plus à orienter la caméra pour pas en voir. Calmons-nous, mais... C'est vrai que j'en ai pas croisé beaucoup, là, tant mieux. Je vais pas avoir une très bonne défense là, non? Suffit hein. Si je get good. En plus j'ai ramassé des écailles au cas où je dois augmenter une arme, mais bon, quand même. Cette arme, ça va bien les conneries. Pour un pleb comme ça. L'endurance va peut-être un problème. Prendre une main déjà sera mieux. Non, 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 non. Arrête de protéger ton chien là. Je comprends pourquoi, mais. Pff. Ah bah, bien vu de ta part, tiens. T'as pris le coup en plus. What? 112! Putain d'arme avec ses. Moi aussi j'ai un bouclier, j'hésiterai pas utile. Casse-toi avec ça. Ah! Oh! Arrête avec ça! Les weapon art sont pétés sur cette merde! Oh mais jamais ça s'arrête! Les putains de weapon art là! Je sais pas si tu as remarqué, j'aime pas trop ce boss. Oh. Oh god! Bon, ok, ok, j'arrête. Les parades. Essayer de casser les couilles. Je connais Limit Breaker, ouais. J'en peux plus de ce boss. À chaque fois, hein. God! Ça va?
Y'a pas ton petit loup là qui arrive? Putain, j'ai plus de vie en plus, je vais me faire ruiner par le loup. C'est un fast boy, ouais. C'est moi qui suis un slow boy. Stunned, bolos. Ouais, t'as sorti ton bâton? Non. Posé quand même. Shit. Oh, merci. Merci mon dieu. Non, putain, je me fais stun par de la magie, ça c'est... La pire, le pire affront de Miyazaki sur ces jeux. La magie te stun, sérieux. Peut-être die là. The fuck? Tu t'es arrêté un peu trop tôt là, mate. Ah ouais, mais si tu es... Si tu lock, tu peux repasser à côté sur ça. Boop le snoot! Je fais pas de dégâts, hein, c'est impressionnant. Boop! Je vais là, mes postes. Boop! Oh, boop le snoot là! Boop der snoot! Ah bon, là il vient. Quand il m'a pas touché, c'est un miracle de la nature, mesdames et messieurs! Pff, fuck off, putain! Oui, hitbox. Je m'en rappelle, heureusement. Qu'est-ce qu'il se passe? Dead! T'as pas intérêt à passer à côté du pilier magiquement et me tuer. Crève. Oh putain, je vais dire. C'est dans la soupe. Yo Dradonné, comment tu vas? So close. C'est la grid qui m'a abattu. Il nous faut cette emo de grid. J'étais pas en braise, j'étais en braise. Je vais mettre en braise. Je crois que je voulais passer en braise en deuxième phase mais j'ai pas eu le temps. Je suis en train de me faire à manger, tu te fais quoi à bouffer? Tu peux me faire à bouffer? Ça c'est pas mal déjà, nice luck. Fais le malin hein, avec ton arme de casu là. Voilà, spam R1. C'est lui la raison pour laquelle j'aime pas me refaire combat. Oh mais c'est... j'en ai marre hein, du putain de... C'est son shield qui est insupportable. Cette arme est insupportable. Qui là? C'est balayé de gauche à droite là, il se prend des tartes. Et tout ce temps je viens de comprendre que le snoot c'est le nez, je pensais que c'était autre chose. Terrible. Terrible mistake de ta part. Ça ne peut être autre chose que le nez, le snoot. Based snoot. Continue de faire ça. Tout bien là. Oh god. Bon allez. On va prendre ça au calme. On va faire ça bien. Snoot! Non, pas snoot.
Snoot. Je finis mes restes parce que je parle lundi, alors c'est lardon, riz et sauce tomate, ça va. Alors bon, ouais. Je suis la merde. Pas recevoir 3 attaques. Moi j'ai l'impression que t'as 3 attaques. Je vais être en attaque toi là. Hop, 1 et après, la riposte. Sur ces bonnes parades, j'ai mangé. Bon app, Zarius, tu me diras ce que t'as bouffé aussi, je sais pas pourquoi ça m'intéresse, ce que vous mangez. What? C'est une attaque ça, mais. Encore. Ya. Mais les dégâts, mais oh! Pas parce que tu mets du DPS sur un boss qui. Qu'il est bien, quoi! Par contre, tu me refais pas les mêmes shit que tout à l'heure là. Là, j'optimise pas mes roulades là-dessus. Je devrais partir dans le même sens que lui, mais bon. Mais. Manger des spaghettios bolognaises. C'est pas pointu de Carla. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est ce loot là qui m'intéresse. Ah, mais j'avais déjà. Excuse. Félicitations. Very good. Bon, lui, il dégage. Avec cet espadon, ça passe easy en 2 try. Heureusement. Donc, on va continuer le DLC 2. Un peu de chance, on garde ça. Quoique pour le juge. Putain, le juge, quoi, merde. D'avance, merde, quoi, le juge. Pourquoi, maman? Pourquoi le juge? Je voulais me recommencer des cases 2 comme j'avais deux versions, mais j'ai jamais trop joué à l'original, j'ai juste fait Scholar of the First Sin. Vous conseillez laquelle? Je conseille la normale, moi. Pas la Scholar of the First Sin. Ashen One. Aïe, sorry. Ah? Ok, j'ai des âmes et tout, au cas où je dois acheter des trucs. Donc, ceci étant établi, on peut retourner... Ah merde, on repart d'ici. Bon, on peut retourner au guet du mausolée. Gagne du feu qui sait battre. C'était pas intentionnel. Je suis tombé dessus, d'accord. Oh god, c'est bon. Ça a failli mal tourner dès le départ. J'aimerais bien pas mourir, j'ai une barre de vie incroyable. Je pourrais pas faire les DLC par contre, je crois, sur la version de base, vu que j'ai pas le season pass. Ah! Ça, peut-être. Ouais. Bah, fais le scolar alors. Écoute. Si t'as pas le choix. Ces DLC sont bien quand même sur la source, je trouve. Bravo! They are not the dark. Merde, je veux qu'il tombe. Mais qu'il tombe. Pareil, sad. Arrêtez de voler des sorts à Gwen. Oh, nice. Ça c'est bien, ça c'est très bien comme arme. C'est très très bien. L'hémorragie comme elle sort vite, j'y crois pas. Bon après c'est des trash mobs, mais même. Même, vous voyez.
5000 balles pour ces plebs quand même. Incroyable, si je veux farmer des âmes et tout, je viens ici quoi. Bon, je voudrais pas farmer des âmes parce que je suis pas un pleb, mais bon. Non, jamais. Ils disent tous qu'ils veulent pas farmer des âmes parce que c'est pas des plebs, Nian. Pas du loot, ouais. Je savais que j'allais le voir. Je vois de la main noire Wars. Cosplay avec l'épée et le chapeau là en vrai. Pour une fois, on a un vrai fashion. Un jour, a marqué une pierre rouge. Ou multicouleur, ou comme vous voulez. Une pierre quoi. Prenez une pierre, vous marquez le truc. Juste. Fragment d'os, noise. Où est la porte? Ici. J'ai vu du... Fuck! J'ai vu du loot. Ah bah là, rien que pour aller là-bas, je vais me taper pas mal de... Ah mais t'as du poise toi, t'es sérieux? Cette merde en slip là? Ah du poise. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est pas un... Oui, j'avais compris, Yann. Je me foutais de ta gueule juste, tu vois. C'est ça que je faisais. Mon avis est pas assez bon en fait, c'est ça? Faut absolument l'avis de Monsieur Arius. Ouais, moi je préfère l'édition normale de Dark Souls 2 rien que pour les placements des ennemis. Mais si t'as pas les DLC sur l'édition normale, autant faire la scolaire. Hein. Aucun sens de faire version normale. D'ailleurs, je sais pas si les serveurs c'est les mêmes sur Dark... Non. Ça peut être les mêmes, mais du coup, est-ce qu'ils sont encore en ligne, les serveurs sur l'édition normale de Dark Souls 2? C'est Wevent. Comment ça va? Ouch. Non mais ça va, c'est nécessaire l'animation là. Détail. Putain de merde. À cause de cette animation de merde là. Mais bon, easy win, easy stream. Ce serait bien qu'on garde cette arme, putain, j'ai tellement envie qu'on garde cette arme pour le juge. On va le torcher le juge si on a cette arme, mais tellement... C'est parfait une épée... Comment... Quelle catégorie là? Épée droite, voilà. Que ce soit réglé, que je sache si je dis épée longue ou épée courte, je vais dire épée droite maintenant. À chaque fois je me demande. L'épée droite c'est tellement bien. Parce que là, très bien, juste le dragon au début avant Shin qui est trop abusé. Et avant, en plus, il était naze lui. Hein. Enfin, tu pouvais passer quoi. Tranquille. Je crois où sont mes âmes. Ah, bah oui, mais je suis mort deux fois. Ah, là où elles sont. Oui, il fallait que j'aille chercher le loot là-bas. C'est vrai. Hello. Ouais, ça c'est non. Ah merde. Peut-être oui alors. Ça va? C'est bon? What? Ok. Bah, fuck off alors, je sais pas comment on y va, pas par là, toute évidence. Pérégrin de la souffrance! Je sais qu'il y a du loot vers là-bas, justement, je me le garde. Oh, il va falloir que je monte tout là-bas pour ce loot à la con là, t'es sérieux? Ils veulent pas venir en dessous, hein? Il y en a un là. D'abord chercher le loot en haut. Bon, et lui. Ah oui, putain, cette attaque elle est géniale. J'ai crevé par contre, mais elle est géniale. Faut aller tout pilol là. Hein. Et oui, un truc. Il y a 36 000 loot dans ce marais, oui. Donc bon, ça m'étonnerait. Ah non, mais ça. C'est pas de la grosse connerie ça. Sérieux? Ah bah. Bien. Vous pouvez pas bouger, hein. Ils ont même pas fait d'animation verticale pour le sort, du coup c'est ridicule, il est à moitié dans l'échelle, ça veut rien dire.
Faut pas que je meure hein, ici. Putain. Comme c'est loin, bordel. Faut que je fasse attention là, j'ai pas envie de me retaper ça 40 fois. Je pense que personne n'a envie de se le retaper 40 fois. J'essaie de looter en étant responsable. Aïe. Tranquille les big boys. Prendre le feu avant du coup. Histoire d'être sûr que je me fais pas tuer par les toupies lol là. Yo! Tiny boy! Small boy! Ça me va. Très bien. Oh là là, il nous reste midi et tout à faire tomber du pont. Il nous reste 40 000 trucs avant d'arriver au juge. C'est trop grand! Un loot là? Ah. Ah, du frelon, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Si vous pouvez le garder, je pense que je vais le garder jusqu'au juge en vrai, y'a pas de raison. Le temps que les anneaux se switch. Moi aussi. Ça me va. J'en ai tellement de raisons de ne pas brûler. Ok. Ok, ça passe. Nice! Oh putain, elle est tellement longue l'échelle. Non, ça passe. C'est bon. Ça se fait plaisir. Ça fait plaise. Et laisse la feste begin. Je peux pas. Je vois rien! Non. Comment est-ce que je vais chercher ce truc là-bas que j'ai vu? Je ne sais plus par où je passais. Alors là. Et ben ça passe pourtant. Oh merde, il faut pas que je passe par un. Je sais plus, tant pis en vrai. Hein. Oh what? J'ai une excuse, je sais pas y aller. Je m'en rappelle plus. Je suis pas sûr que ce soit par là de toute façon, putain. Parti pour looter les marais. Quoi, 3 loot. 4. Je sais pas ce que j'ai looté là, j'ai même pas regardé, tiens. Ça me va aussi. Salut Aurélien, comment tu vas? Bienvenito. Oh, mais ça tite. Ça touche deux fois. La magie. La magie dans Dark Souls. Bienvenue. C'est hyper serré le Stropol. On est à 10 contre 10, 10 contre 9. Je mettrai sur Twitter peut-être le challenge là. Oh putain, c'est vrai qu'il y a lui en plus qui va appeler ses bébés là. Pas les archers, please. Ok, nice. Ah, mais c'était eux, mais putain. Il y a un bug de son sur ce qu'il a dit. Aïchal, patek.
Nice, joli ça. Arrêtez avec ces sorts là, putain, arrêtez, c'est ouf ces sorts. Aucun sens. Malade du coup, pas super, rip. Cette saison, c'est vrai. Exactement. Nice! Je vais prendre le raccourci en vrai, là, on sait jamais. C'est tellement long les distances que bon, j'ai pas envie de me retaper ça. Ça vaut bien perdre 15 secondes pour aller chercher le raccourci. Ça les vaut si vous voulez mon avis. On est tellement bien là, ça a changé je pense. On est trop bien en stuff là, c'est pas normal. Nice try. Putain mais les résines c'est un truc de ouf. Eh bah c'est toi qui paye le prix de ton arrogance, écoute moi ça va. Toujours debout. Allez là. Ça me va aussi. Je suppose ça me va. Non ça me va pas, c'est de la merde. Il s'en sort! Oh, mais. Putain, mais. Faut arrêter avec la magie et les miracles dans les Dark Souls. Faut arrêter. C'est temps de les buffer, quoi. Les nerfs. Ça sert à quoi de faire un jeu difficile si tu mets un élément qui est totalement game breaker? Oula! Je suis parti tellement loin! Voilà. Ah voilà, c'est ça que j'ai oublié. Il semblait que j'avais oublié un loot. Faut que je l'ai civé sinon j'étais dead hein. Ça me va. Bon contre le juge c'est pas optimal mais... On est loin de s'attendre à avoir que ce soit optimal contre ce boss. Alors, il va falloir que je me rappelle encore une fois. Vous vous rappelez, c'est cet endroit où je tourne pendant 107 ans. Parce que je sais pas où je vais. Ça va. Donne. Damelo. Tranquille, ma boy. Ah, du ciel du loot là. Alors. Pas un coffre? Moustiques sont déjà revenus, sérieux? Non. Il y en a un énorme qui a mon plafond, maudit sois-tu. Bizarre ça. Dragonné. Pas le temps il me semble, le cloque qui vient me buter, ok. Oh merde il s'est levé, saleté. Hop. Ah non j'ai cru qu'il allait tomber dans le vide. Ah mais il vient pas Mimic, il s'est couché. Je sais comment je vais faire en fait, je suis con. Mais les dégâts par contre ne sont pas du tout
Acceptable, dégage. Hors de ma vue! Dégagez-le de là, les gars. Je sais comment je vais faire. Ah non, j'en ai pas acheté. Fuck, j'étais sûr d'en avoir acheté. Bon, bah, je vais pas faire comme ça, je suppose. Ça va être chaud là. Ouais, non, là c'est même pas chaud à ce niveau-là, ça va être juste horrible en fait. À moins que tu tombes. Non mais. Qu'est-ce que je regrette de mourir là, putain. Je me retape 100 km encore. Mosquitos! Il a plus toute la journée, oui, je confirme. J'ai dû aller donner un colis à un relais colis, c'était agréable. On a eu de la neige à Grenoble il y a encore pas quelques jours, comment ils ont fait pour être là? Je sais pas, j'ai pas de moustique là. Faudrait donner une autre arme là, au streamer s'il vous plaît. Help the stream! Ouais, oh, ils sont tolérants. Hein. Sur la iframe concrètement, parce que là je méritais de me faire toucher. Je suis plus là, hein. Ciao, je suis plus là. Je fais là. J'ai pas envie d'y passer 107 ans à le tuer, ce putain de mimique. Je vais aller acheter des trucs, je m'en fous. Je vais aller acheter des anneaux de Lloyd là. J'ai pas le time pour ça, putain. J'aime pas que tout prenne 107 ans dans ce challenge. Casse-couille. Tu peux mettre les notifs par mail, ouais. Pour le stream. Ça va bien aller les conneries au bout d'un moment. Ça c'est de la merde hors de ma vue. Je croyais que c'était supposé scale avec mon niveau et tout. Oh putain, j'ai encore envie de courir. Hein. J'ai bien envie de courir 2 km pour arriver où je suis mort. Pas une neige à Nantes, du coup on est obligé de taffer. De manière en ville ça accroche pas en général, chez nous, à Grenoble. Ça ne reste pas. Surtout c'est quand même rare que ça paralyse l'agglomération. My mimic. My rude boy, pourquoi tu... Lève pas ton boule. Une fois, les esquives étaient terribles, mais c'est passé. Vous avez été envahi par pèlerin de... Sub, je sais plus ce que c'est son nom. Ah bah il vient pas là. Pardon, c'est pas censé m'aider à looter cette merde. Ah voilà. Oh! Mais Gusta là! Plus 10! Le meilleur drop by far qu'on ait eu. Sur ce jeu là. Putain, si je garde ça contre le juge mon gars. Ouh là 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 là, que ça va aller vite.
Ça va aller très très... Oh fuck. Putain. Oui, ça m'a fait rire aussi, la neige à Paris. Rip in peace. L'agglomération. L'arme du déni. J'ai 23 000 balles quand même, ça me fait chier de tout perdre là, non? Bon, vas-y, faire le tour. Je sais pas comment j'ai eu 23 000 balles d'ailleurs, puisque vous en parlez. Hein. Mais bon, il y a Midir qui est tombé de la plateforme, ou comment ça se passe? Il s'est loupé. Oh! Yo! Yo 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 yo! C'est les rats qui font du rap! Je vais faire Midir avec les pignettas, c'est vrai. J'ai pas envie de faire Midir, ça va prendre 15 ans. Il est allumé, je m'en fous. Je peux pas endormir Midi avec la miette de chasseur de mort-vivant. Hello! Bigode, boyode! Full, je suis immunisé au feu. Ouch. T'es dead? Non, c'est bon. Vous avez rien vu. Pas trop il tapait sa tête de linotte là. Oh non! Ces mobs qui ont 15 millions de PV dans ce DLC, sérieux. C'est la grid encore qui me tue là. J'ai envie que ça aille plus vite que ça, quoi. Yeah, j'ai le temps de passer là. Salut de disrespect me. Sad. Sad de Rhino. Ça me touche si je suis vraiment au bord là. Le feu. On va tester. Ah ouais, bon, ça me touche parce que j'ai avancé, mais. Faire one shot parce que je me sonne pas. Si t'arrives. Fatigué. Oh shit. C'est bon. Comment ça, c'est pas bon? T'as combien de PV là? J'en ai marre. Faut que tu tombes de ce putain de pont. On n'a pas tous notre vie devant nous là. Ils sont plus 10 mes armes. C'est bon, tombe quoi, non? Quand tu as 12 esprits une nuit. Pire en pire. Une élocution. Il a peut-être tombé le baby boy là ou il faut que j'enlève vraiment full life? Oh merde. Je l'ai pas encore fait, tiens. Oh, on pousse cette attaque.
Non, je le tue pour... parce que sinon je peux pas débloquer son combat de boss. Sérieux là? Il est angry là. Hein. Si mon dieu, ciao. Donc ah. Eh oui. Un dragon tué avec des masses draconiques. Oh. Oh. Je l'avais pas déjà eu en plus, je peux même pas dire on l'enlève. C'est ouf, il tombe toujours dans les pires moments quoi, ce putain d'anneau de calamité là. Et puis là il va rester sa vie hein. Je veux plus faire ce DLC, il m'énerve. Juste avant le juge. Hein. Parce qu'il fait pas assez de dégâts le juge en fait. Puis après on va m'enlever mon arme là-dessus, tu vois. Puisqu'on est dans cet état d'esprit là, sur cette run. Pour la run de death. Moi j'ai plus envie de faire le SC1 sur Tarsus 1 pour être honnête avec vous. Si je dois donner ma opinion sur le Stropole là, ça me tente plus le SC1 sur Tarsus 1 que la run de death. Pas de mort! Notamment parce que c'est sur Tarsus 1 et pas le 3 qu'on a torché. Je vais looter ce qu'il y a devant le juge, je sais pas trop là. Pas trop, parce que si je drop l'autre chose juste avant, j'aurai le seum d'avoir dépensé mes âmes dans autre chose que du upgrade material, you know? Je pense que Midir serait plus simple à faire avec la mode calamité que le juge. Honnêtement. Même de manière générale en fait. Nice, m'en fous. Continue de virer des... J'ai cru qu'il allait remplacer déjà. Continue de virer des anneaux là. Continue. Vire-moi ça. Il m'en faut encore deux je crois, non, d'anneaux. Deux ou trois. Casse des pins, nice. Hey bolos. Je tombe. On touche pas par contre. I'm small and gentle. 24 000 balles. Je vais forcément mourir au juge. Donc, je sais pas si c'est très... Ouais, j'ai pas d'os du retour en plus. Non. J'en ai plus il me semble. Je vais rentrer vite fait acheter des os, notamment. Des osselets. J'ai plus envie de souffrir sur ce DLC. Comment le run SC1 l'emporte d'une voix. Il va falloir que je fasse un tweet orienté vers le SL1. Pour forcer les gens à voter pour le SL1. Jamais content de ce qu'il a. Qui pourrait être content avec cette chiasse là? Je me rappelle pas avoir lancé ça pour faire un run calamité et stuff de merde. Bon là ça va, on a du bon stuff en vrai. Je crois que je vais garder ça. Je vais voir combien j'en ai de ça en vrai. Tu vois pas des autres hein? Si voilà. Un chenouane. Je crois qu'il y a un fragment. Yes, et j'ai une cendre d'os. That's one. Nice, en vrai, elle va être en plus 4. Déjà, les fioles ont bien augmenté aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs. Surtout si j'ai l'anneau de calamité. On va faire que ce heal. Ou ça one shot, je pense. Hein. Surtout. Mais bon. We'll see. Session PVP, nope. Bon, j'ai 19 000 balles par contre qui doivent être évacuées là.
Il y a les abysses. Du loot. Ouais, je veux dire, j'ai pas besoin d'acheter complètement. Ashen One. Bon, gonna be good. Gonna be good, le juge avec la note calamité. Da 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 Hop, là j'ai un PV de dégâts de chute à notre calamité, meurt, instant. Tu le torches le juge. T'es un malade toi en fait. Toi t'es un fou allié toi. Quoi comment là j'ai pas. Comment là j'ai une bonne arme honnêtement, ça peut passer mais. Avec notre calamité. Si on fait le juge, il faudrait qu'on aille faire Gaël direct après. Ou. Midir il me saoule putain. Il naviguait en plein rénal. Oui! Y'a pas de loot après, non? Pour la Gaël. Alors que Midir, y'a un loot. Mais ça peut être le loot qui change tout en fait. Putain, un autre calamité. Pourquoi? Il tombe tellement au pire moment! Maman! Est-ce que j'ai encore l'anneau du frelon? Je crois qu'ils me l'ont enlevé en plus. Ça aurait été utile contre le juge là. Tais-toi! Je vais même pas aller dans mon inventaire quand tu parles avec ta bouche là! Make haste! J'ai plus l'anneau de frelon. Tu te fous de ma gueule? Aïe. Qu'est-ce qu'il fait lui là? What? Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais non, mais c'est pas juste, j'ai pas compris ce qui s'est passé! Il se heal encore? Heureusement que cette arme elle fait des dégâts incroyables parce que. Bam! 3 secondes! Bref, reste. Ok. Il a. Oui, bah oui, tiens. Je suis pas full life en fait, il peut me. M'instant kill avec un combo, which is nice, feels good. Jamais, jamais je ferai le dernier. Plus jamais. Ça va? Je crois que t'as un peu plus de mana que moi. Non. Nope, nope, nope. J'ai hâte que l'autre qui vienne te heal. Quoi tu fais genre, t'essayes de jouer correctement. Oui. C'est bon? Oh là, oh! Pas deux fois de suite là. Merde. Oh les dégâts, what? Ma faute en plus. Alors c'est une vraie deuxième phase avec de la musique et tout là. Yes. La chiasse. Et voilà.
Là on y va, là on est en plein dedans, dans la connerie humaine. Fuck, ok. T'es pas censé, c'est... Mais... Saleté de merde! Va te faire foutre! J'en ai marre. Oh mais... Ça va, c'est bon! Bon, c'est pas aussi funky que le SL1, honnêtement. Je crois que c'est le SL1, non? Il m'avait mis à bout un peu, hein. Les dégâts peuvent être un peu plus ridicules. Oui. C'est ouf de faire ça. Faut être une sourasse, putain. Ned. J'aime trop ce boss car tu peux incarner, j'ai tellement éclaté de ganker avec le marteau de Vort ici. C'est exactement la raison pour laquelle je le déteste. C'est sûr de la merde les boss PVP. Super pour le boss. Ah, ça remet plus hein, même qu'au Polar Bow. C'est juste que là il avait que 25% à regagner de vie, mais ça remet plus que 25% de vie au boss. Hein. Son heal. Pas déconner, attends. Trop de retard, full spoil, part trop bien. Vaut mieux que tu parles de la Volto H. Run Volto H. Quelle imbécilité! Effectivement, je ne peux pas dire. Imbécilité de faire un boss de chiasse comme ça avec 15 minutes de dialogue avant que ça commence! Ah oh, putain, god! Y'a pas moyen de skip, y'a pas un glitch pour skip ce dialogue. C'est ridicule les gars que je suis fait en vrai. Hein. Avec une arme plus 10, cette arme là en plus en plus 10. Mais les dégâts par contre que je prends sont réels en fait. Ils sont bien là. Hein. Ah merde. Il est déjà là lui. Je me rappelais pas qu'il venait au début. Fuck. Ah mais c'est parce que lui il est mort. Enfin il a pris cher. Ou il est venu direct. Ça c'est fait. Je vais me permettre. Tu veux pas non plus le sort de Dark Souls 2 là où tu pouvais one shot les gens? Genre où ça tu utilisais 25 000 balles et tu pouvais one shot les gens au départ? Tu veux pas ça non plus, non? Non, tu veux juste ça toi. Suffit, c'est pareil, remarque. Bon substitut. Oh! Oh! What? Le two shot! Le two shot, hein. Le même boss à toutes les runs.
foolishness. Puis c'est bien parce que tu peux pas faire de menuing, tu peux rien faire quand il parle, t'es obligé de subir en fait le truc. En vrai, on ressemble à quelque chose là, il y a du Fashion Souls un peu dans l'air. Je dis pas que c'est incroyable, mais par rapport au run, c'est déjà pas mal. Very good! Quelle idée de douter la note de calamité. Et. Surtout à ce niveau-là en fait. Mais ça, c'est. Ça a toujours été drôle les zones de calamité dans ces runs-là. Tu peux le sortir plus vite ton heal! Ah non, bah écoute, voilà, il le fait. C'est vrai qu'il est débile quand même, sinon on ferait quoi? Oh mais putain, mais c'est insane quoi. Il le sort trop vite son putain de heal. Regarde le dégât qu'il me fait avec son arc à chier là. Putain. J'ai pas la patience pour faire ça les gars. J'en ai marre. Et j'ai pas envie d'aller loot d'autres trucs pour enlever l'anneau, c'est incroyable comment on s'est fait fister. Sur ce drop, c'est juste incroyable. Je vais peut-être aller voir Midir un coup, mais il va me one shot Midir par contre, je pense. J'ai quand même envie d'aller voir juste pour pas faire ce boss là, parce que je peux pas là, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Ah mais il y a deux loot en fait avant lui. Un anneau non, je sais pas. Oh il y a trois loot avant lui, putain nice. Ah. Je crois que c'est le prochain qui dégage hein, le calamite. Normalement attends. Il est sorti. Non il reste le dragonnet je crois qu'il est sorti avant lui. Par contre, s'il dégage pas, quand j'ai loot suffisamment d'anneaux, je le dégage parce que c'est pas normal. Bah, je les connais les moves de Midir, mais c'est juste que des fois tu fais des erreurs à force. Le combat dure 3 quarts d'heure. Et là, à mon avis, si je fais une erreur, ça va être un petit peu rude. Good! Un bon petit écho là dans cette cave avec. Aussi la portée va être à chier avec mes merdes. Gonna be good. Attends c'est quoi ça déjà? La merde, ça en veut bien, t'as pas honte? Alors je vais mettre full life hein. Je vais mettre full life. Snoot. Ouais t'es sûr, c'est vraiment de la connerie ce feu. Quand tu veux que je vois la distance si c'est des JPEG les trucs. De Half-Life 1. Genre c'est de l'herbe de Half-Life 1 la munition du feu dans ce jeu. Il est peut-être die là s'il me touche. Pas full life. Voilà. Il cogne big boy, ça. Cogne dur. GG Dragonir. C'est combien d'heures déjà ça? 340 heures. Putain, merci beaucoup, mate. Hein. C'est ouf, 340 heures sur un stream. Je pourrais pas avoir dit que faire Midir ce serait mieux. Il semble juste avoir dit que ce serait différent. Donc différent c'est mieux quoi.
C'est ça, c'est le même combat sur Monster Hunter. En plus, c'est vraiment le même délire. Hein. Ah là, il est déjà levé. Je peux pas buffer mon arme parce qu'elle est infusée dans un truc de chiasse. Remarque, ce serait utile contre Gale. Hashtag grid. Go grid. Ah, moi j'aime bien les deux designs Melka. J'aime bien le dragon cristal aussi sur MH. Mais les deux combats puent la merde. Sauf que moi le dragon cristal c'est sur un Monster Hunter, alors bon tu peux te dire que c'est normal, les... c'est plus dans l'idée du jeu quoi, les combats longs. Mais Midir putain, c'est long et chiant. Là encore il y a un peu un frisson parce que j'ai pas les bonnes stats, mais sinon c'est juste chiant quoi, c'est long et t'es pas trop en danger. Quand tu le connais je veux dire. Chaque fois il y a l'occasion d'apprécier un peu plus la beauté de ce dragon. J'ai besoin de faire une esquive quand je fais ça. Ok. Je pense pas à Ujaya. C'est chaud en vrai Monster Hunter aussi. À s'approprier au départ, c'est dur. Hein. La courbe de progression est pas aussi rude, mais c'est compliqué quand même. Encore une fois, c'est dur, ça dépend ce que tu regardes, combien de contenu tu regardes sur internet en même temps que tu joues. Si tu regardes rien, les deux c'est compliqué. Hein. Agréable. Pas le choix, donc je me fais one shot. Et moi quand je switch sinon de challenge. Bien si je m'amuse plus, c'est pas la peine. Je vais rien dire de sympa. Ça va pas être sympa pour le stream si je suis juste gavé quoi par ce qu'on fait. C'est ça que je déteste sur Midir. C'est toujours en train d'esquiver cette putain d'attaque de merde qui fait durer le combat un quart d'heure. J'ai pas votre temps moi. Hitbox. Donc, je sais pas, j'hésite entre mon fléau là. Ah mais ça c'est la première fois là que c'est cool. Et encore.
Et quand tu refais le jeu, tu verras. Tu refais le jeu beaucoup de fois, tu verras que Midir en fait il est insupportable. Parce qu'il est toujours long. Même quand tu sais jouer justement, c'est pire parce que. Genre d'habitude, tu sais, t'as une courbe de satisfaction quoi quand tu fais les boss, quand tu les fais bien et tout, mais Midir quand tu le fais bien, ça dure quand même 4 heures. Donc c'est pas un plaisir quoi. C'est le juge à nouveau. Qui n'est pas plus un plaisir. Mais bon. Midir au moins c'est un vrai boss quoi. Il est chiant mais c'est un vrai boss. Alors que le juge je le respecte pas. Je considère pas comme un boss cette chiasse. Désolé. Je continue de le dire à chaque stream. Je le clame au effort, c'est de la merde. C'est genre niveau de Rome quoi dans Bloodborne. Encore je préfère Rome. C'est un petit glitch facile là que je suis en train de faire. Si tu tapes à certains. Dans quel jeu déjà qu'il faut faire ça? Pas mal de FPS où il faut venir toucher des trucs à certains endroits pour activer des trucs. Pour les speedrun. Les œufs, tu le fais en live, comment ça? Ça peut arrêter un bébé? Tu fais quoi là? Sérieux? On a même pas commencé! Oh, y'a déjà l'autre bolos qui se ramène, c'est parti. Et il est, je peux rien faire. Ah si, j'ai eu le temps, mais. Limite. Oui. No, you don't! On a un jeu de puzzle aussi, toucher les trucs ça aide. Nice. Ça me fait rire à chaque fois. C'est vraiment le truc incompréhensible, c'est quand tu regardes une run, si le mec explique pas ce qu'il fait, tu le vois toucher plusieurs endroits sur la map, tu fais bon, bah ok. Cool. Encore la grid hein, qui m'a tué. What? Je peux juste courir dessus, ça les pète. On a fait que deux runs au final sur DS2. Après il y avait des vidéos où j'avais fait le DLC, mais les DLC mais c'était il y a super longtemps, c'était sur l'édition normale. Sorry. J'espère que vous étiez en full screen. Ah, c'est une nouvelle en chinois là? C'est ça? Je sais pas. Sort c'est chinois pour le nouvel an, j'ai lu, ça m'a tilt. Tu vois que le seul moment où cette arme aurait pu être utile, c'est-à-dire contre Gaël, je vais plus l'avoir. Vous êtes sérieux, vous êtes putain de sérieux avec vos stuns. Le mec il me lance des M&M, ça me stun. Oui, alors le poil sur Dark Souls 1, ça marchait pas bien. Je préférais l'enlever du jeu. Comme ça, c'est les espadons, ça devient de la grosse chiasse. Non, j'ai pas de luck. T'es sérieux? Ça lui donne du poise. Genre, ça lui donne du poise. Ça lui donne du poise. Caster un sort. Putain. C'est vrai que Zanagi. Ça n'a aucun sens ce jeu. Ça n'a aucun sens.
pire c'est que je fais ça mais j'ai pas plus envie de faire Gaël après. Mais bon, s'il y a vraiment one shot aussi je pense. Feels good. J'aime pas pourquoi je fais ces runs, personne aime ça sur cette chaîne en plus putain. Vous infligez 30 souffrances. C'est très bien avant c'était notre calamite là. C'est très très bien. Mais bon, on s'est fait niquer. On s'est fait niquer par la RNG. Clairement. La run serait déjà finie là, putain sérieux. Elle serait vraiment déjà finie quoi à ce niveau là. Sûr et certain. Mais bon. Un truc dans la main, sur les mains. Et il est reparti en mode trash. Bien joué Bolos. Merci, c'était gentil là en fait. Que t'as encaissé comme ça sans rien dire. Et oui. Et que ça, ça me stun, sérieux, ça me rend ouf hein. Mais il sort son truc comme s'il allait se heal ce gros bâtard. Et voilà, et maintenant je suis obligé de me heal en fait, sinon ton pote il me tue si je viens de tuer. God. Si c'est comme il y a de la luck. Non mais faut arrêter là les putains de... Oh! Sérieux, le mec me lance des pierres qu'il trouve par terre, ça me stun quoi. C'est switch au bout d'un moment. Si mon dieu quoi. Et oui, ah non. Ça va. Oh, plus de flèches. The fuck, ça je comprends pas. Il y a toujours eu ce bug là où il cherche une flèche dans son deuxième emplacement, ce bolos. Incroyable. Merde. 360p, oula! Encore là, c'est un boss qui bouge pas trop, mais sur Midir par exemple, tu verrais rien du tout. La bouillie de pixels, c'est qu'on appelle. Ah, dès que c'est de jouer un peu agressif, pas comme un bébé. Fumer, mon porc.
C'est que je vais mourir alors que je tryhard. Oui, alors la parade par contre je la veux pas non plus. Je viens de me rappeler qu'il faisait une parade avec son bouclier là. C'est nous en fait. Oh, ça c'était joli. Ouais bon vas-y je vais continuer de jouer safe comme une grosse merde hein, pour le choix. Et il est indécent ce mec là donc bon. Je sais pas pourquoi moi je suis redescend. Je vais die là. Si j'étais un gros con je pense que je vais être le plus gros de nous deux. Je vais gagner à ceux là. C'est la phrase de papa quoi. Tu veux jouer au con bah je vais gagner. Casse toi Polos. Je sais même pas ce qu'il m'a donné, j'ai pas regardé. Pas d'anneau. Donc je suis fucked. Rouge de Cartus, là, m'éclaire. Je suis fucked. Je suis fucked. Bonne soirée, Dradouné. Pourquoi j'ai mis ça? mille balles qui seront utilisées avec sagesse. Je sais pas dans quoi les mettre en vrai. Mettre dans de la vie du coup. Rien. Genre c'est worth de garder mon arme infusée. Si ça le... Parce qu'il aime pas le poison lui, donc ça peut être cool. Je suis pas sûr que ce soit worth en vrai. Je pense moi que je gagnerais au change à mettre en mode normal cette arme. Et à l'infuser avec du poison, parce que le poison j'en ai combien de milliards? 57. Je gagnerais clairement à faire comme ça. Hein. Mais bon. On fera. Est-ce que je peux enlever une infusion, je pense, non? Ouais, 4 as. Je peux pas la remettre en normal, c'est ça? Ce serait mieux. Mais j'ai pas de gemme tranchante. Putain, j'ai pas de chance, quoi. J'ai pas de gemme tranchante. Non. La confession. Ouais, ça tape aussi, hein, pierre de confession. On va tester comme ça. Et t'as dit que je vais me faire fumer, mais on va voir. Qu'importe l'arme, remarque, hein, je vais me faire fumer. Donc bon. Toujours ça de prix. Farewell, Ashen One. Tu vendrais pas des. Des pierres? Est-ce que quelqu'un vend. Oh. Est-ce que la vieille marchande qui est à l'entrée de la zone du DLC, elle vend des gemmes? Je vais aller voir en vrai. Je suis pas sûr mais bon. Est-ce qu'elle reste d'ailleurs au début du DLC? Ou elle bouge après? C'est ça Aurélien, sûrement on recommence sur l'autre run. Merde. Merde. Fuck me.
d'ailleurs quand tu chantes. Merci de montrer de l'appréciation. C'est pas le cas de tout le monde dans le chat, sans pointer le doigt sur qui que ce soit. Tu te prends pour Gizmo, sérieux, il a fait une musique, un rap de Noël là. On est d'accord que... Ah non, tu parlais peut-être de Gizmo autre, ou du rappeur. Mais c'est de la merde ma vie, pourquoi? C'est toujours de la merde. Bon. J'achète un anneau en douce, on n'en parle plus. C'est celui que j'achète là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Avec mon argent. Qu'est-ce que j'en sais faire? Par pleurer. Ashen One. Il est insupportable. Tu parles de moi? Je crois pas non, tu parles de moi. Ça m'étonnerait. Ouais, je me doutais, ouais, Melka, mais j'étais pas sûr en fait. Pelote bolos de rappeur de merde. Rude! Lude et rude! Y'a un bébé qui rampe. Ça va encore que c'est une arme assez correcte que j'ai, parce que j'aurais vraiment pleuré quoi. Déjà, je pleure un peu mon arme bien, tu vois, qui aurait été utile juste pour lui, mais bon. Tranquille. Filieno! Ruine, mais vrai. Buffer un peu tôt, non, c'est bon. Un coup mort. Bienvenue dans mon monde. Oui, 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 oui. Ah oui, regardez-le. Il a le seum, le jeune joueur. C'est bon. C'est pour ça qu'il me saoule en challenge ce DLC. Ils ont tous des milliards de PV là. La grid est puissante là ce soir. Grid by my side. Greetings! Peut-être mort. Non, ça va, il a derp, il a derp, il derp! Bien. Ah. Merde, il fait déjà mal lui de base. Donc il one-shot pas sur la deuxième phase, à mon avis, il va one-shot avec certaines attaques. On est empoisonné, Bolos! On va te rigoler, mais bon. Je crois pas que j'ai besoin de bouger. Partir une roulade ou quoi. Je touche pas ce boss. Nan nan nan, 3200 de dégâts. Ok. Bah bon, je vais rebuff, mais je crois que ça sert à rien en deuxième phase, non? Ready to get one shot? Prépare to get one shot édition. Fuck me, ma faute. Ah, dead. Attention à la magie mousseline là qui revient. En force. Non mais t'es sérieux? Oh. C'est OP, putain! Je peux rien faire là-dessus. Mais va te foutre! Mais j'en ai marre de cet enfoiré! Tricheur! Putain! C'est vraiment de la chiasse ça! Avec la note calamité de mes couilles. Ça me saoule, je jouais bien sérieux. Je me fais fumer parce que je fais ça quoi. Je mets toutes mes fioles. Scandale là. Oula. Aïe, ouais bon mais là je suis tilt aussi. Insupportable putain.
Ne recharge pas avec son arbalète, c'est ça. Son AK-47. C'est horrible. Quand je vois comme je le défonce, on aurait tellement first try ce bolos sans cet anneau de merde. Mais bon, easy. Moi il est plus agréable à combattre que les autres, quoi, c'est un vrai boss. Full grid là, hein. Je suis en mode full grid. Qu'est-ce que what? Il faut qu'il atteigne 4000 là hein, avec l'empoisonnement. Donc on a le temps. Hein. Enfin de dégâts. On va passer en deuxième phase là. C'est environ ça tout à l'heure. On a le temps. Ah non, c'est pour ça qu'on se fait OS, c'est parce que j'ai l'anneau. Hein. Oui, non, le jeu est pas aussi dur que ça normalement, calmons-nous. Imagine, tu sais. Ah merde! Mais regarde les dégâts là! What? Ah bah, worse. La luck là pour le coup. Si on essaye aujourd'hui le feu, c'est juste de la chia, c'est ça. C'est juste pas juste quoi. Juste pas juste, une jolie phrase. Non, mais t'as pas le droit aussi faire des baits. Mais rien que la cape, les dégâts qu'elle fait, normalement elle fait beaucoup moins! Oh! On va faire ça. Hein. Il bloque à 100%. Oh, c'est un cadeau des dieux, ça, en vrai. Le bouclier qui bloque à 100% là. Incroyable. J'avais oublié. My bad. Bouclier on my mind. Pas de faire foot, parce que c'est la pente là. OP as fuck. Heureusement que j'ai ce bouclier, putain de dieu, pas. Ouais, ma faute. Ah, la pente. Ça m'a brain fuck, là. Ciao, Jaya. Je sais pas ce que je pourrais lui sortir qu'il aimerait pas trop en deuxième phase, honnêtement, à mon avis, il s'en branle complètement. Pente plus grid, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est la troisième phase. Hein. T'as plus d'énergie? T'as en pété la fibre. Pété, tu sais. C'est OP la fibre. Crains la glace? Non, mais y'a pas de. Oh
Oh shit, what? C'est quoi ce combo à plus de 3 coups en première phase là? C'est que cette connerie. Bed. Il craint tout court. Ah oui. Le poison en deuxième phase, je crois qu'il est pas utile en plus. Il me semble. Il augmente sa résistance, non? Endurance. Oula, what the fuck là? Oh, cette attaque elle est horrible hein. Thank you Boros, comment tu vas? Sérieux là, je l'ai même pas empoisonné? What? Courir en ligne droite. Que je peux. Non mais d'accord, ça je savais même pas que c'était un grab. Aide. Je vais voir si je pouvais encaisser avec le bouclier. Je vais réessayer un coup. Je savais pas que c'était un grab, ça tellement ça fait longtemps qu'on s'était plus pris. Pas dedans, ça sent ma gueule ou quoi? Je suis à 100% dedans. J'ai fait une putain de belle tentative là. J'ai fait deux putains de belles tentatives. Mais je suis fucked. Donc je peux le. Je peux m'en parler combien? Deux. Dos. Bon boulzo. C'est clair qu'il est sick. Il est propre le Gael. Enfin, c'est attaque de plèbe avec des délais, putain. Je sais pas comment il est toujours pas en posé. Ah voilà. Même le double niveau dégâts. Ah ouais, l'empoisonnement. Et c'est pas plus dur à le trigger en deuxième phase.
Worse. Monkey quoi. Ah mais des combos à 4 coups en phase 1, mais ça va les conneries là. Arrête hein. Ah mais il fait que ça en plus. Il a voulu m'assassiner là hein. Je vais juste m'amener en phase 2. Dead. Quatre fioles hein. Je vais sûrement le faire là. Ah oui, mais comment je fais gros trash? What? J'ai trouvé un god spot où il sait pas où on va ou bien ça se passe. Oh god, quand je touche pas et qu'il me touche, ça m'énerve parce que je devrais le toucher quoi. Je faisais pareil avec je sais plus quelle arme c'était, mais c'est insupportable en fait. Mais mec. Franchement, je fais toujours pas mine. Ah si, je fais mine poison. Non, je fais pas mine poison, mais c'est ouf. Je l'ai spammé, hein. Dead, hein, no spoil, ça sert à rien que je continue, mais bon, easy. Il a pris un de dégâts avec la chaise, ce bolos. Ah non, c'est mon armure. 382, hein. Comment tu veux, comment tu veux. J'ai la patience de faire ce boss. Calme-toi. Il est pas emprisonné là, t'es sérieux? Fuck quoi. Mais. Tu sais que je vois pas comment je peux. Putain quoi. Je fais esprit de taper masse. Incroyable. Empoisonné, c'est bon. Good, thank you. Plus de fiole par contre. Rip.
toujours pareil. Chaque fois qu'on se bat contre lui, c'est toujours pareil. Je meurs toujours plein de fois la première phase parce qu'elle est longue et chiante. C'est même pas qu'elle est dure, c'est juste qu'elle est longue. Ça me suffit à perdre perso quand c'est long. Parce que je perds patience. Non, j'ai pas 12 en int. Pourquoi? Vous avez été gentil hein, sur l'esquive. Clairement. Gentle boys. Heureusement que j'ai mis le truc parce que j'ai pas du tout vu venir son attaque. Ted. Non, ça j'ai l'endurance. Tiff est là. Ah putain de merde, l'arme dans le sol quoi. Ça me sert à quoi les 12 d'intel? Dis-nous, nous fais pas patienter comme ça, à quoi ça sert? Drop le knowledge. What the fuck? Mate, tu laisses passer des esquives tellement plus nazes d'habitude. Ouais, sans le contexte, c'est dur à savoir ce que ça veut dire 4 as. On a juste dans une certaine situation que t'as besoin de 12, mais sinon. Il a appliqué vite là l'empoisonnement. Nice. Fuck off. De toute façon, moi j'ai pas le choix du build, hein. Je dois utiliser ce qu'on me donne. Je n'ai pas le choix. Tout ce stuff de chiasse. Cet anneau de merde.
gonna be good. Il y a toujours le poison, tiens, appliqué. Force. Non, mais ça, c'est pas de chance, quoi. Je fais tout pour esquiver ce truc-là et j'arrive pile à la limite d'où ça peut me toucher, cette merde. What? Oh, s'il te plaît, quoi. Ouais, dead. Oh. J'ai envie. Là, t'es un salaud, putain. Heureusement que j'ai mon bouclier. Il sort plus vite que la roulade, d'ailleurs. Bon, ça va. Non mais ça, si c'est pas de la mauvaise RNG, sérieux, je sais pas ce que c'est quoi. Ouais, mais il faut bien que je te mette de putain d'empoisonnement sinon je fais pas de dégâts. Non mais celle-là, putain, oh! Pour 20 minutes. Franchement, j'ai pas envie, hein. Ça sert à rien, c'est pas le challenge que je voulais faire, ça. Le challenge Calamite, c'est un autre challenge, putain. C'est pas possible, quoi. À un moment, tu choisis ton poison, soit tu fais un challenge Use What You See, soit tu fais un Calamite, quoi. Tu fais pas les deux ensemble. C'est trop dur, là. Ça ne m'intéresse plus, ce challenge. Je pense qu'on devrait switch. Parce que là, c'est pas très fun, là. Comme ça provoque rien chez moi, je veux dire, ça m'énerve même plus assez pour que j'ai des réactions en live. Je pense pas que ça sert à grand chose de se le faire. Je dis plus rien. Ça sert à rien. Comment tu vas, Lyruk, sinon? Je pense qu'on va switch, hein. Quelle heure? En vrai, on peut en commencer un autre.